Ce que vous êtes en train d'entendre, c'est une émission radio. Celle-ci fait partie des mystérieuses stations de nombre. Ces stations étranges diffusent à certains moments des suites de nombres a priori sans signification. Mais ça, c'est seulement ce qu'elles essayent de nous faire croire. À l'heure d'Internet, des smartphones, de la connexion en débit, à qui peuvent être destinés ces messages radio étranges? Aujourd'hui, nous allons traiter des mystérieuses stations de nombre. Bienvenue dans Altération. On appelle stations de nombre des stations radio qui diffusent en ondes courtes des suites de chiffres ou de lettres. Ces mystérieuses émissions existent dans toutes les langues et sont entendues dans le monde entier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elles diffusent de jour comme de nuit sur une large gamme de fréquences. Souvent, les nombres sont vocalisés par une voix artificielle. Parfois, ils sont codés en alphabet morse, phonétique ou numérique. Ces stations n'émettent pas continuellement. Certaines diffusent tous les jours à une heure précise des messages de quelques minutes. D'autres ont des horaires irréguliers. D'autres encore ne transmettent qu'une fois et disparaissent sans laisser de traces. Pour les entendre, il suffit d'une simple radio réglée sur la bonne fréquence et d'être à l'écoute au bon moment. Parce qu'en dehors des créneaux d'émission, c'est le silence qui règne. En préparant ce sujet, on s'est renseigné sur une manière simple d'écouter ces stations de nombre. La réponse se trouve, comme toujours, sur Internet. Le site priom.org présente les stations de nombre actives, qui vont émettre prochainement. Il suffit ensuite de cliquer sur l'intitulé d'une station pour être transféré sur un site permettant de contrôler un récepteur à ondes courtes. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin de s'y connaître. La bonne fréquence radio est déjà sélectionnée et il ne reste plus qu'à être patient. Les stations de nombre utilisent des émetteurs haute fréquence de très forte puissance. Elles ne sont pas répertoriées et ne possèdent pas de licence. C'est étonnant, car l'accès aux bandes haute fréquence est très réglementé. Les stations se voient attribuer des fréquences et doivent s'y tenir. Pour ce qui est des amateurs, ils doivent posséder une licence pour avoir le droit d'émettre. Dans de nombreux pays, posséder ou utiliser un émetteur sans autorisation expose à des poursuites correctionnelles. Toute la question est donc de savoir qui émet, vers qui et dans quel but. Les bandes haute fréquence utilisées, aussi appelées bandes décamétriques, permettent de contacter à très longue distance. Les ondes radio de ces bandes sont réfléchies par l'ionosphère et, suivant les conditions météorologiques, peuvent faire le tour du monde. Les stations émettrices peuvent donc se trouver n'importe où et atteindre n'importe qui sur Terre. Cela fait de nombreuses années que des radioamateurs passionnés sont à l'écoute de ces stations fantômes. Ils espèrent percer leur mystère et peut-être craquer leur code. Avec le temps, ils leur ont donné des surnoms, parfois en raison de la langue utilisée par la voix synthétique. Parfois à cause d'un détail, d'une musique ou d'un identifiant qui annonce le début d'une émission. L'identifiant répété à plusieurs reprises ainsi que les parties musicales permettent sans doute au récepteur d'ajuster correctement sa radio sur la fréquence d'émission. Ensuite viennent les suites de nombres groupées par 4 ou 5 répétées deux fois. Après le message, les stations annoncent la fin de la transmission de nombreuses manières. Certaines concluent par une série de zéros, d'autres par le mot « fin » ou le groupe AR utilisé en télégraphie. Malgré les milliers d'enregistrements de ces messages, personne n'est jamais parvenu à comprendre leur contenu. La raison de cet échec ne peut vouloir dire que deux choses. Soit les messages sont incohérents et n'ont aucun sens, soit ils sont cryptés. Or, on connaît depuis 1920 une méthode de chiffrement qui est impossible à casser et dont le texte crypté est composé uniquement de nombres. Cette méthode est appelée le masque jetable. En cryptographie, on appelle masque jetable un algorithme de cryptage qui a été largement employé durant la guerre froide et utilisé de nombreuses années pour sécuriser les échanges sensibles des ambassades.
La méthode de cryptage par masque jetable a été largement déployée durant la Seconde Guerre mondiale, comme en témoigne le message d'un pigeon voyageur retrouvé en 2012 dans la cheminée d'une maison de Surrey en Angleterre. Les pigeons ont été couramment utilisés durant les guerres mondiales pour communiquer sur le front ou derrière les lignes ennemies. Les stations de nombres semblent être leurs descendants directs. Bien qu'on ne sache pas avec précision depuis quand les stations de nombre existent, on a cependant noté une augmentation de leur nombre ainsi que de leur activité durant la guerre froide. De même, la chute du mur de Berlin en 1989 a marqué une nette diminution de leurs émissions. Il semble en effet que les pays appartenant au pacte de Varsovie s'en servaient pour communiquer entre eux des informations confidentielles. On en a une preuve formelle dans l'affaire des Cuban Five. 5 officiers du renseignement cubain ont été arrêtés en Amérique et soupçonnés d'appartenir au réseau d'espionnage WASP. Durant leur procès, un agent du FBI confirme à la barre qu'ils utilisaient un ordinateur portable leur permettant de décrypter les messages transmis par la célèbre station de nombre Attention. En 2010, Peter Stahl présente sur sa chaîne YouTube ce qui semble être à l'origine de la voix derrière de nombreuses stations de nombre, comme la Swedish Rhapsody. Le dispositif 32620, que l'on désigne aussi sous l'appellation de Sprague Machine ou Sprague Morse Generator, a été développé dans les années 80 en Allemagne de l'Est. Il servait essentiellement à la Stasi, aux agents du KGB et de Cuba. Il s'agit d'un séquenceur capable de générer des communications artificielles sur des lignes téléphoniques et radio. La langue et la voix peuvent être changées en remplaçant un circuit imprimé par l'arrière de l'appareil. La majorité des stations qu'il utilisait sont aujourd'hui inactives, hormis le cas de G06. Il faut dire que les stations de nombre sont l'idéal pour les services d'espionnage. Les messages cryptés sont accessibles partout sur la planète grâce à un simple récepteur radio à ondes courtes ou à un récepteur web comme utilisé en début de vidéo. Qu'importe l'endroit sur la planète où se trouvent leurs agents, ils recevront les communications cryptées sans risque d'être exposés ou compromis. Leur décodage ne nécessite aucune technologie complexe, aucun logiciel de cryptographie avancé. De cette manière, l'identité des agents infiltrés est quasi totale. Par conséquent, les stations de numérotation constituent un moyen idéal pour établir une liaison unidirectionnelle avec des agents dans le cadre d'opérations secrètes à l'étranger. La seule difficulté de cette méthode tient à l'utilisation des masques jetables qui doivent être connus de l'émetteur et du récepteur et transmis de manière physique. Les agents du KGB les transportaient majoritairement dans de très petits livrets ou sur microfilm. Les supports sont très faciles à dissimuler ou à détruire après utilisation. C'est sans doute ce qui explique que depuis les années 90, le phénomène des stations de nombre n'a pas disparu. Au contraire, il semble même en légère augmentation. Plusieurs décennies après la fin de la guerre froide, les stations de l'ex-Union soviétique, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud sont toujours actives. Et de nouvelles stations continuent d'apparaître dans le monde entier. S'il est très compliqué de localiser avec précision la source de ces émissions, une chasse aux stations de nombre a débuté depuis les années 80. Le premier à s'y intéresser sérieusement est Thomas Goodbey, radioamateur chevronné devenu une légende sous le pseudonyme Havana Moon. Certain que toutes les stations de nombre ne proviennent pas de Cuba, il décide de suivre en voiture le signal radio de l'une d'entre elles. Sa route le conduit à proximité de Tequesda en Floride, où se trouve la base Homestead de l'Air Force. Il compile le résultat de ses recherches dans Los Numeros, édité en 1987. Avec l'aide de sources bien informées et un équipement RDF, il identifie d'autres sites. À Warrenton et à Remington en Virginie, près de Jinotega au Nicaragua et près de Guineo à Cuba. Depuis lors, de nombreux passionnés ont pris le relais. La dernière synthèse en date est un album photo de 192 pages, Shadow of the State, sorti en décembre 2017. Il contient les photos satellites d'une trentaine de stations présumées.
C'est le travail de deux longues années de recherche que le photographe Lewis Bush révèle dans son livre. 2 ans passés à examiner des documents déclassifiés, à scruter des images satellites, pixel par pixel, à la recherche d'une trace suspecte. Les stations de nombre qu'il a identifiées sont éparpillées dans le monde entier. Russie, Libéria, Chypre, Corée du Sud, Allemagne, Australie, etc. Pas étonnant lorsqu'on sait que des pays comme la Russie, la Chine et les États-Unis exploitent d'importants parcs d'antennes à ondes courtes dans leur propre pays et dans leurs ambassades à l'étranger. Grâce aux révélations d'Edward Snowden, on sait que la NSA espionne chaque ambassade et qu'elle est en mesure d'intercepter les appels téléphoniques et toute conversation internationale via l'écoute de certains câbles sous-marins. Pas étonnant que les nations recourent à un système éculé dont le cryptage est incassable et qui ne craint pas d'être intercepté. Les stations de nombre ne sont donc pas prêtes de disparaître, même si leur forme peut changer. Ainsi, le magazine en ligne de Kernel affirme en 2013 avoir retrouvé la trace de la mythique station Lincolnshire Poacher qui avait cessé d'émettre en juillet 2008. Selon leur source anonyme, le signal radio a été transféré sur un numéro de téléphone britannique. N'importe qui pouvait appeler ce numéro et tomber sur la fameuse station de nombre. Il a rapidement été mis hors service après avoir informé ses auditeurs de passer sur le canal de secours. Il nous reste à vous rappeler qu'il est interdit en France d'écouter d'autres fréquences que celles autorisées. Vous pourriez par mégarde tomber sur un message qui ne vous était pas destiné. Une suite de nombres vouée à activer des cellules dormantes, à confirmer un ordre d'exécution, une attaque sous faux drapeau, un attentat politique. Il y a autour de nous des ombres, des agents infiltrés, en place depuis des décennies. Il y a autour de nous un monde invisible qui s'emploie à modeler en secret notre vie. Des conglomérats obscurs qui s'efforcent d'endormir les masses, d'éteindre la contestation pour mieux nous manipuler, pour maintenir notre apathie, notre ignorance, notre docilité. Ils choisissent notre destinée, ils programment la politique mondiale, ils contrôlent les flux monétaires, les communications, les comportements des nations. Ils dirigent le monde. À leurs yeux, nous ne sommes que des nombres. À leurs yeux, une masse inféconde. 3-0 et vous êtes altéré. 3-0 éliminé. Ferme les yeux, ne regarde pas, n'écoute pas, reste assis et tais-toi. Vous avez été altéré.